Vous êtes sur TV5 Monde et à la une de votre journal Afrique, ces images, les quatre otages français d'Arlit, enfin libérés. Premières images de Pierre Legrand, Marc Ferré, Daniel Larib et Thierry Dole libres. Vous les voyez ici à Niamey, la capitale nigérienne, et avec eux, le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, et également Jean-Yves Le Drian, le ministre français de la Défense, qui sont venus les accueillir. Les quatre hommes viennent de passer plus de 3 ans en détention aux mains d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et l'essentiel du début de ce journal, vous l'avez compris, sera consacré à cette libération. Dans un instant, vous entendrez la mère d'un des otages, Pierre Legrand. Elle sera en direct avec nous. Et puis, François Soudan, le directeur de Jeune Afrique, est avec nous aussi sur ce plateau pour en parler. Mais d'abord, je vous propose d'écouter la déclaration de François Hollande, le président français, qui a annoncé en fin d'après-midi la libération des quatre otages depuis Bratislava. On l'écoute. Je viens d'apprendre par le président du Niger, Monsieur Issoufou, que nos quatre otages du Sahel, ceux que l'on appelle les otages d'Arlit, viennent d'être libérés. 3 ans d'épreuve pour ces ressortissants, capturés, détenus par des geôliers sans scrupules. 3 ans de souffrance pour des familles qui vivaient un calvaire et qui sont aujourd'hui soulagés. Après plus de 3 ans de détention, sans doute très difficile, vous venez d'entendre François Hollande, Pierre Legrand, Marc Ferré, Daniel Larib et Thierry Dole sont donc enfin libres. Les quatre Français avaient été enlevés à Arlit par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Tous travaillaient pour le géant du nucléaire français Areva, qui possède un site dans cette ville du nord du Niger. Comment se sont passées ces années de détention? Retour sur cette période avec Sarah Bernuchon. Au départ, ils étaient 7. 7 otages aux mains d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Enlevés le 16 septembre 2010 sur le site d'extraction d'uranium d'Arlit, au nord du Niger. Parmi eux, 5 Français, dont 4 travaillent pour Areva. Une attaque éclair menée ici au milieu de la nuit. Comment se passe leur détention ? Il faut attendre février 2011 et la libération de 3 otages, dont Françoise Larib, pour en savoir plus. Une vie très spartiate en plein désert, des mouvements incessants. Puis arrive cette première vidéo diffusée par les ravisseurs. Les 4 hommes apparaissent très amaigris. Début 2013, l'opération Serval au Mali est lancée. Leur localisation est quasi certaine, le massif des Iforas. Mais après des semaines de combat, on perd leurs traces et le contact avec les ravisseurs. En France, pour les proches, c'est une mobilisation de chaque instant pour qu'ils retrouvent leur liberté. Fin septembre, les familles jusque-là silencieuses prennent la parole. Ces absences soient incarnées. Nous nous sommes tus pendant 2 ans et comme disent mes filles, un silence exemplaire. Et on s'est rendu compte que ce silence exemplaire ne débouchait sur rien. Donc on s'est dit, ça suffit, assez de compassion, hein, assez d'empathie. Maintenant, ce que l'on veut, c'est des résultats. Leur dernière preuve de vie datée de septembre 2013, une vidéo où les 4 hommes se disaient menacés de mort. Et nous sommes au téléphone avec Pascal Robert. Pascal Robert, vous êtes la mère de Pierre Legrand, un des 4 otages français qui vient d'être libéré. D'abord, Pascal Robert, quel est votre sentiment ? C'est un grand soulagement, ça y est, au bout de 3 ans... La nouvelle est arrivée pour leur libération et ça, bah, c'est ce qu'on attendait. Hein. Donc enfin, on y est. Et ça, c'est énorme. Donc maintenant, voilà, les choses vont pouvoir continuer autrement, mais avec eux, quoi. Comment vous avez vécu ces 3 ans de détention ? Alors, je les ai subis, puisqu'il n'y a pas d'autre choix. Hein. C'est garder l'espoir, toujours, mais subir chaque événement et chaque espoir, faux espoir, c'était plutôt dans les débuts. Et puis après, on se dit, on se protège. Et donc, bah, jusqu'à l'annonce là du président de la République, voilà... Pascal Robert, est-ce que vous aviez reçu des informations ces derniers jours concernant cette libération ? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Donc ça a été une grande surprise. Ah oui, oui, oui.
Mais je me doutais bien que ça allait venir comme ça, quoi. Que justement, il n'y aurait pas de signe avant-coureur, quoi. Et puis, je crois que je voulais pas y prêter attention non plus pour pas être justement avoir de faux espoirs. Donc voilà, je n'attendais qu'une chose, c'était ce coup de fil-là pour qui annonce la libération et le reste n'avait pas d'importance. Merci Pascal Robert d'avoir été avec nous dans Journal Afrique. J'imagine que vous verrez votre fils très bientôt. Des otages qui sont attendus demain, mercredi à Paris. Et on continue d'en parler avec vous, François Soudan, directeur de Jeune Afrique. François, est-ce qu'on a des indications sur la manière dont les otages ont été libérés ? Écoutez, ça s'est passé, Laurent Fabius a dit, il n'y a pas eu d'opération de force. Hein. Ça s'est passé. Pas d'assaut. Quelques... Pas de rançon non plus. Ça, c'est autre chose. Ouais, je pense qu'il est, on en parlera après. Il est probable qu'il y ait eu rançon. Ça s'est passé dans le nord du Mali. On sait à peu près maintenant que les otages n'ont jamais quitté le Mali. Ils ne sont pas allés dans le sud de la Libye, comme on a pu le croire, ou dans le nord du Niger. Ça s'est passé, semble-t-il, entre Touareg nigérien, Touareg malien, et les jeunes Touareg qui gardaient, semble-t-il, l'Ansardine qui gardait, et peut-être Dakmi qui gardait les otages. Ils ont ensuite été rapatriés en avion sur Niamey. François, est-ce que cette libération, elle signifie le délitement Dakmi et d'Ansardine ? C'est en tout cas l'une des raisons. On sait que les deux principales victimes de l'opération Serval, c'est Ansardine d'abord, de Yagd Agrali, qui a pratiquement disparu de la carte, et qui maintenant négocie son retour dans l'impunité et veut également de l'argent. Donc ça a dû jouer un rôle. Acmi a subi des coups très rudes. Le seul qui sont sortis, c'est à peu près c'est le Moujaou. C'est d'ailleurs eux qui sont sur le terrain au Mali et contre qui se passe l'opération Hydre. Acmi, on l'aura, comme dit un militaire français, on leur a cassé les reins. C'est vrai que les liaisons entre Acmi au Sahel et Acmi Maison-Mère, celle de l'émir Droukdel en Kabylie, ont été interrompues. Il a fallu 6 mois à Droukdel pour nommer un successeur à Abou Zaïd. Le successeur actuel, d'ailleurs, s'appelle Abou Saïd al-Jazahiri. C'est un Algérien, mais on sait que c'est lui qui a mené l'opération de septembre 2010 sur Arlit. D'accord. Donc cet Algérien qui dirige la brigade Tarek Ibn Ziyad connaissait les négociateurs qui se sont manifestés au cours de cette affaire. Justement, François, qui a négocié pour cette libération ? On sait que côté nigérien, il y a un monsieur qui s'appelle Mohamed Agouté, qui est un ancien ministre, qui est un ancien chef rebelle Touareg, qui est actuellement le président du conseil d'administration d'Imourare Nessa. Vous savez, cette co-entreprise formée entre Areva et l'État nigérien pour l'exploitation de la mine d'uranium d'Imourare. Il y a aussi le chef des renseignements militaires nigériens qui a joué un rôle. Et vraisemblablement, côté français, un monsieur tout à fait sulfureux, qu'on croyait un peu tricard dans le dossier, mais qui semble-t-il est réapparu, qui est Jean-Marc Gadoulé, ancien officier de la DGSE, ancien très proche conseil militaire d'Idriss Déby, et qui était reconverti dans le privé, dont le nom est sorti à plusieurs reprises ces dernières années. Donc on en a parlé il y a un instant, pas d'assaut, hein, selon la France, pas de rançon non plus, mais ça, vous n'êtes pas forcément d'accord. Ce sera forcément démenti. Moi, ma conviction, c'est qu'il ne peut pas y avoir de libération sans rançon. On n'a pas un ordre d'idée sur de combien était cette rançon. Alors, il se dit aussi donc l'opération Hydre des soldats français et maliens qui a débuté il y a quelques jours dans le nord du Mali est peut-être en corrélation avec cette libération des otages. Il est possible que c'est accentué encore la pression sur les réduits qui restent, en particulier dans le Sardine, qui est vraiment, avec Agrali, qui est un personnage a des convictions assez variables, hein, qui était côté djihadiste, qui maintenant veut se rallier au pouvoir en place à Bamako. Il est vraisemblable que c'est pu précipiter effectivement la remise d'otages, mais là encore, ils n'ont pas été remis sous la contrainte militaire, donc il y a eu contrepartie. François, il y a encore des Français qui sont encore otages au Mali. Oui, il y en a deux. Il y a Serge Lazarevitch qui est là depuis 2 ans et Rodriguez Léal depuis à peu près 1 an maintenant. Eux sont entre les mains du Moujaou et effectivement, il y a vraisemblablement des négociations en cours, mais elles sont beaucoup plus difficiles. On pense à eux et à tous les autres otages, notamment en Syrie. Merci François Soudan, directeur de Jeune Afrique. Je rappelle donc que la une de Jeune Afrique cette semaine, c'est Laurent Gbagbo. Et s'il était libéré, on en reparlera bien sûr très vite hein, dans ce Journal Afrique. Et voilà ce qu'on pouvait dire sur cette libération des 4 otages français. On y reviendra un petit peu à la fin de ce journal. On passe au reste de l'actualité du continent avec d'abord le Soudan. On continue de voter là-bas, mais pour un référendum controversé.
Troisième et dernier jour de scrutin pour les habitants de la région d'Abyei, une région revendiquée par le Soudan et le Soudan du Sud. Mais ce vote fait polémique car il a été organisé par la seule communauté Gobdinka favorable au rattachement à Djouba. L'autre communauté de la zone, les Misériya, ont refusé de participer à ce référendum et ils sont eux favorables au rattachement à Khartoum. Pour l'Union africaine, ce vote est une menace pour la paix dans la région. Le ras-le-bol des habitants de Bangui en Centrafrique, manifestation au camp des Castors, un quartier de la capitale, barrages, pneus brûlés, des habitants qui disent non à la montée des violences et de la criminalité dans la ville et qui réclament au gouvernement centrafricain le maintien de l'ordre, un gouvernement complètement dépassé depuis le putsch de mars dernier. L'État a bien du mal à fonctionner, le chaos s'est installé et les affrontements se multiplient entre les ex-rebelles de la Séléka et ses milices d'autodéfense villageoise, les anti-Balaka, dont on parle de plus en plus souvent. Qui sont-ils? Eh bien, nos envoyés spéciaux, Ilham Taoufiki et Clément Aline, sont allés à leur rencontre. C'est le troisième épisode de notre série de reportages exclusifs en Centrafrique. Sur le tarmac de Bossangoa, le général Yaya s'apprête à raccompagner le Premier ministre sur le départ. Mais avant cela, il faut mettre un peu d'ordre dans les rangs. Toi là, tu les mets en rang. Tu fais en sorte qu'ils soient en ligne. Toi là, toi tu viens devant. Toi tu te mets derrière. Toi tu lui donnes ton arme. Les anciens rebelles de la Séléka. Aux uniformes dépareillés. La voilà donc la nouvelle armée centrafricaine. Passée en revue par un premier ministre absent. Une seule visite, éclair, en deux mois de crise. La délégation gouvernementale s'envole. Les ex-Séléka redeviennent les seuls maîtres incontestés de Bossangoa. Plus de maire, plus de gouverneur, plus de police. Une ville désertée aux trois quarts. Les habitants chrétiens se sont réfugiés à l'évêché pour échapper aux violences de ces hommes, musulmans dans leur grande majorité. Mais pour le général Yaya, l'ex-Séléka n'est coupable de rien. Les fauteurs de troubles, ce sont les anti-Balaka, ces milices d'autodéfense villageoises qui les attaquent depuis deux mois. D'ailleurs, l'expression n'est pas juste. Balaka, ça veut dire machette, coupe-coupe. Or, eux, ils n'ont pas de machette. Ils ont des lance-roquettes, des RPG, des AK-47. Ce sont des militaires qui ont fait leur classe. J'ai des photos d'eux. J'ai leur matricule. Ce sont des militaires, pas des anti-Balaka, mais des militaires bien formés. Ah, vous partez ? Oui. Ah, excuse-moi. Le général Yaya interrompt l'interview. Il ne reviendra pas. De notre côté, nous sommes allés à la recherche de ces fameux anti-Balaka cachés dans la brousse. Nous avons rencontré une section, mais sur eux, aucune arme lourde, plutôt des fusils de chasse, des machettes, des lance-pierres et même des gris-gris censés les protéger des balles. Ici, pas de militaires de formation, juste de jeunes hommes, à peine sortis de l'adolescence. Tu es jeune, non, pour faire la guerre ? Oui, je suis un enfant, mais c'est à cause des Séléka que j'ai décidé d'entrer dans les anti-Balaka. Les Séléka ont brûlé nos maisons, ils ont pris nos biens, ils ont assassiné nos parents. Arlin, le sous-chef de la section, a 22 ans. Il a pris les armes le jour où son frère est mort, sous les mains de la Séléka. Les Séléka ont pris une épée, ils lui ont crevé les yeux, ils l'ont décapité, ils l'ont découpé, là et là. Je m'étais enfui. Quand ils ont quitté le village, je suis revenu. J'ai pris un drap, j'ai ramassé les morceaux de mon frère, je les ai déposés dans un fossé. Des jeunes rongés par un désir de vengeance sans fin, qui s'abat aussi sur les musulmans civils, jugés trop proches des anciens rebelles. Donc les musulmans, quand on les trouve dans la brousse, on les tue parce qu'ils font pareil avec nous. Des rebelles de confession musulmane qui s'en prennent aux chrétiens. Des groupes d'autodéfense villageois qui se vengent sur les populations musulmanes. La Centrafrique entrerait-elle dans une guerre confessionnelle? En tout cas, tout semble en prendre le chemin. La République démocratique du Congo maintenant, où le M23 est proche de la déroute. Les rebelles se regroupent désormais dans les montagnes près de la frontière ougandaise. Conséquence de la traque sans relâche de l'armée congolaise. Une reconquête éclair en quelques jours seulement et qui a ses raisons. Explication à Koumba Kané et Blaise Bazomboli. À la une de la presse congolaise ce matin,
la spectaculaire offensive des troupes gouvernementales dans l'est du pays. En 4 jours seulement, l'armée appuyée par les forces de l'ONU a reconquis les bastions des rebelles du M23, occupés depuis plus d'un an. Une reconquête éclair qui s'explique par plusieurs raisons. L'administration Obama a exigé du Rwanda de ne plus soutenir le M23. Ça, c'est important, un facteur important. Les gouvernements aujourd'hui commencent à payer la solde. La solde commence à arriver en entièreté auprès des militaires au front. Et à ce moment-là, les militaires sont requinqués, le moral au zénith, les résultats ne pouvaient que suivre. Chassés de leur fief, les rebelles se sont repliés dans les collines de Bunagana, à la frontière ougandaise. Et face au risque de contre-offensive, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni en urgence. Seule issue possible pour éviter une escalade de violence, la reprise des négociations de paix suspendues depuis 3 semaines. Nous espérons que le mouvement rebelle a bien été châtié et que les négociations vont reprendre. Du côté du gouvernement, le ministre de la Défense a dit que Kinshasa était prêt à négocier. Une affirmation pour le moment non confirmée par Kinshasa. Mais pour certains représentants politiques congolais, pas question de négocier avec la rébellion. L'M23 a été déclaré par la communauté internationale comme étant une force négative. Alors comment la même communauté internationale va demander encore au gouvernement de la République démocratique du Congo d'aller négocier avec une force négative? C'est comme si vous demandez aux États-Unis d'aller négocier avec Al-Qaïda. Signe du recul massif des rebelles, des centaines d'habitants qui avaient fui les combats ont repris la route pour rentrer chez eux. La chasse aux terroristes continue pour Washington, dans l'est de l'Afrique, cette fois c'est en Somalie. Un des hauts responsables des Chebabs somaliens a été tué. Il s'agit d'Ibrahim Ali Abdi, alias Anta Anta. Il était décrit comme l'un des principaux artisans des attaques suicides des insurgés islamistes. Et c'est un tir de drone américain qui l'a tué, frappe lancée à 350 km au sud de Mogadiscio, et qui confirme donc que les Américains possèdent bien une base de drones dans cette région. Pour le gouvernement somalien, c'est en tout cas une victoire. On écoute. Le gouvernement somalien est satisfait de la frappe qui s'est déroulée dans la région du Moyen Djouba et qui a tué Ibrahim Ali Abdi. En effet, c'était une personne qui dérangeait le peuple somalien et la région. L'homme tué était le chef de fabrication des bombes utilisées dans les attentats suicides. Il était responsable d'un grand nombre d'attaques qui avaient fait plusieurs victimes somaliennes. C'est une victoire pour le peuple somalien qu'on puisse mettre un terme au risque causé par des individus aussi dangereux. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes nos informations et notamment sur la libération des 4 otages français sur notre site tv5monde.com. On reviendra bien sûr sur cette information tout au long de nos éditions et dans le journal Afrique de demain. À bientôt sur TV5 Monde.